Bon les amis, voici ma base contre les zombies. Ouais, y a pas grand chose, on est clairement dans la mouise. Mais bon, je suppose qu'ils vont me laisser un peu de temps avant d'arriver ces petits zombards. Oh oh, ils sont déjà là. À l'attaque, ou plutôt à la défense, il faut absolument protéger notre base aujourd'hui, ou plutôt notre petite porte faite de bois. Ça va tenir ou pas? Oui, c'est bon, on laisse ça allumer. Donc aujourd'hui les amis, nous sommes sur Zombie Défense et nous allons devoir développer au maximum notre base afin de se protéger face aux hordes de zombies qui viendront à tour de rôle. Alors, j'ai déjà la possibilité d'augmenter mes dégâts et j'ai déjà plus d'argent. Par contre, je suis obligé de refaire un combat. C'est parti! Oh oh, alors là j'ai plus de dégâts donc normalement je devrais plus les allumer que tout à l'heure, mais je crois qu'ils sont un petit peu plus, alors il va falloir faire attention. Attention! Ils ont déjà pété une planche, une deuxième! Que reste qu'une? Hop là! Oh! Ok, c'est bon, je l'ai tué au moment où ils ont cassé la dernière planche. Je peux la réparer apparemment, heureusement. Yes, c'est bon, c'est fait. Du coup, c'est parfait, j'ai assez d'argent pour acheter la prochaine salle qui sera un accès à un fusil à pompe. Ah, il me faut 10 gemmes pour l'avoir. J'ai pas 10 gemmes, moi. Bon, très bien, on va attendre un petit peu, mais j'espère que ma petite arme suffira quand même, hein. Et ça, c'est quoi ce truc jaune là? Je sais pas ce que c'est. Bon, allez, c'est reparti pour un. Nous. Attendez, j'ai deux portes maintenant. Ils vont attaquer des deux côtés. Oh, ok, on s'occupe de cette porte là d'abord. Allez vite, on tourne sur l'autre. Non, il y en a un. What? Il y a un boss qui a apparu. Oh, mais attendez, c'est trop là. Là, je vais me faire allumer. Mais attendez, je peux le prendre maintenant? Mais non, il me faut 10 gemmes. Il me propose de le prendre, mais c'est pour me narguer. Ah, reculez. Oh, le boss. Yeah, c'est bon, on l'a allumé. Ah, mais lui aussi, je l'ai tué, j'avais même pas fait gaffe. Let's go. Encore une victoire pour moi. Donc, allez, on répare cette petite porte. Et encore, il me demande. Ah, ça y est. Donc, maintenant, j'ai les 10 gemmes, ce qui vont me permettre d'avoir la nouvelle arme. Alors, je sais pas ce qu'elle a été dans mon inventaire. Ah, ouais, c'est ça. C'est même pas un fusil à pompe, c'est une carabine. Et du coup, ben voilà, il me reste pas mal d'armes à débloquer. Hein. Ah non, il appelle bien le fusil à pompe. Et apparemment, il est. Voilà, il a. Pourquoi il est. Ah, dispersion des balles, d'accord. C'est que les balles vont partir dans tous les sens. Et on a moyen d'upgrade nos petites armes. Waouh, ce jeu a l'air incroyable. Bon, combien j'ai d'argent? Ah, pas assez pour débloquer la suite. Alors attendez. Non, j'ai dépensé tout mon argent. J'aurais préféré augmenter mes dégâts. Mais pareil, j'avais pas assez d'argent. Donc on est obligé de faire un nouveau combat. Sauf que le précédent, vraiment, j'ai failli me faire allumer. Alors à mon avis, je risque de perdre mes deux portes cette fois-ci. Quoique j'ai le fusil à pompe, les amis, peut-être que ça peut le faire. Bon, par contre, la porte de gauche là-bas, elle est un petit peu en PLS. Il va falloir que j'aille la défendre. Vite. Oh, elle s'est fait allumer en moins de deux. Ah, ils arrivent sur moi. Allez, recule. J'ai pas beaucoup d'espace, là, il y a le mur derrière moi. Je vais mourir. Non, c'est bon, je vais y arriver. Non, je vais y arriver. Oui, let's go. Victoire encore. On peut débloquer donc la prochaine salle avec la possibilité de. Oh, les gardes qui vont m'aider. Hop là, on pourra augmenter leur puissance tout à l'heure. Très bien. Bon, qu'est-ce qui me. J'ai plus d'argent déjà. Qu'est-ce que c'est que cette boutique-là? Ah, d'accord, c'est pour avoir les différents. J'allais dire différents trucs en Robux. Ah oui, on peut avoir des belles petites armes. Bon, on verra ça tout à l'heure. Je suis pas sûr d'en prendre. On verra ça et on va repartir pour un nouveau combat. Et cette fois-ci, j'ai un. Oh, je peux essayer une arme en regardant une pub. Ok, je vais essayer l'arme. Donc, parfait, j'ai le lance-flamme normalement et. Oh, mais c'est incroyable. Par contre, le boss. Oh, il a une résistance au feu, lui c'est abusé, j'ai mis tellement de temps à le tuer, hop. Et la deuxième porte, j'ai toujours pas réparé, et ils attaquent même pas à gauche alors qu'ils auraient pu y aller. Bon, en même temps, les zombies, généralement, c'est pas hyper intelligent, hein. Allez, hop, le dernier boss à tuer, tac, allez, viens là. Enfin, c'est pas vraiment des boss, hein, c'est des monstres élites qui sont un peu plus forts que les autres. Ça se trouve, il y aura des vrais boss tout à l'heure, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut aller réparer... What? Faut aller réparer cette petite porte, quand même, pour pouvoir continuer. Allez, on débloque donc, là. Prochaine salle, est-ce que j'ai gardé le lance-flamme? J'ai gardé le lance-flamme, ça c'est très cool. Pack de démarrage, ah ça il faut le payer je crois. Ok très bien, bon allez, on repart pour un nouveau combat. Et c'est parti, il me faut plus d'argent. Garder l'arme pour deux niveaux. Ah, attendez, ils vont me l'enlever là ou pas? Ils vont me l'enlever? Non, ils m'ont remis le fusil à pompe. Ils auraient pu me le dire avant, bon c'est pas grave. Il y a un zombie qui est vert, un peu vert, comment dire, slime un peu. J'ai l'impression qu'il faisait plus de dégâts, regardez c'est lui là. Je sais pas quelle est la différence. Peut-être qu'on va avoir un Wikipédia du zombie pour savoir quelles sont les différences entre les zombies. En tout cas, j'ai plus de porte. J'ai plus de porte. C'est la crise. Et là-bas, il y a deux petits zombies qui sont en train de s'attaquer. C'est bon, mon gars. Oh non, ils attaquent par en bas maintenant. Oh oh, mais c'est hyper dangereux de débloquer une nouvelle salle du coup. Je risque de me faire attaquer de tous les côtés en fait. C'est bon. Victoire, niveau 6. Pour l'instant, toujours pas de défaite. Ça fait plaisir. On va aller réparer cette petite porte. Ok. Alors, où est-ce qu'elle est la suite? Où est-ce que je peux débloquer? Ah, maintenant, je dois débloquer lui. Enfin, plutôt l'augmenter. Parfait. Ah, mais les réparations coûtent. Elles sont. Ah non, elles sont gratuites les réparations. Mais en fait, je peux faire tout réparer d'un coup en appuyant sur le bouton à droite là qu'il y avait. Allez hop, on repart pour un nouveau combat. Niveau 7. Est-ce qu'il y en a en bas ou pas? Il y en a en bas ou pas? Ah oui, il y en a. Ah, oh, il y avait de l'argent que j'avais oublié en bas. Ah non, c'est parce qu'il les tue. Lui, d'accord. Ok, ok. Oh, par contre, il y a tellement de monde en bas à droite. En fait, pour repérer la porte, il y a le plus de monde et aller tous les défoncer parce que là, c'est juste abusé. Attention, parce que la porte de gauche est aussi en train de se faire défoncer. Ah là là, ah là là. Attention, voilà. Garde, je laisse t'occuper de ceux en bas à droite. Moi, je vais m'occuper de ceux-là. Oh là là. Boum.
Ils ont cassé toutes mes portes. Presque, presque. Lui, ah, c'est bon. Ils ont cassé les deux portes en bas et quasiment les deux portes en haut. Ah, apparemment, j'ai une petite mission. Ah, tu es 150. On a déjà fait 150 zombies. On a débloqué 4 salles. Ok, on récupère. Ça nous donne pas mal d'argent. C'est parfait. Bon, évidemment, on va réparer cette petite porte. Et apparemment, on va pouvoir changer de base dans 3 niveaux. Et ce qui va nous permettre, évidemment, de l'agrandir. En attendant, on est obligé de refaire. Alors, attendez, je vais dépenser mon argent pour ce garde. Ah non, on peut plus améliorer le garde. Tout ce que je peux faire, c'est m'améliorer moi avec une meilleure cadence de tir. Des dégâts, cadence de tir, dégâts. Et là, les amis, on est complètement refait. On va les allumer normalement. Alors, là, il y a du monde qui arrive en haut à droite. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde ailleurs parce que là, il y a énormément de zombies quand même. Hein. Attention à la mousse, ils arrivent. Aïe, 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 aïe. C'est bon, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. En haut à gauche, ils sont en train de péter la porte doucement mais sûrement. Allez, 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 vite, c'est bon, c'est bon. Ok, on a réglé le compte de tout ça en haut à droite. Ah ah, on va avoir un problème. C'est bon, c'est réglé. Oh, trop facile. Allez, de nouveaux dégâts. Pour l'instant, c'est plutôt simple. On se débrouille bien, mais ça va être de plus en plus compliqué. Je vais quand même. Ah, je peux plus réparer les portes une fois que j'ai lancé le game. Oh, on va avoir un problème. Un gros problème. Ils sont tous en train de passer là. Attention à la mousse. Ça va le faire, les amis, ça va le faire, ça va le faire. J'ai tellement augmenté ma cadence de tir que là, je suis tellement puissant et mes dégâts. Ils sont en train de leur faire beaucoup, beaucoup trop mal. Hop là, c'est bon, c'est réglé. Par contre, mon garde, des fois, il s'occupe vraiment au dernier moment d'eux. Hein. Allez, plus qu'un niveau avant de passer au nouveau biome. Ce jeu est tellement classe et j'ai très hâte de découvrir la nouvelle base. Alors hop, c'est reparti. Un dernier combat qui va sûrement être très... Oh oh, oh oh. Ça va dire très facile, mais c'est qui lui? C'était pas prévu qu'il arrive là. En même temps, il est rouge. C'est la meilleure couleur, c'est normal que ce soit le meilleur. Boum. En tout cas, oh oh, on a un problème. On a un énorme problème. Viens, rejoignez-moi, il faut que le garde s'en occupe. Oh, oh, ce délire. Allez, 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 ça peut le faire, ça peut le faire. Recule, 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 recule. Oh, c'est la crise. Allez, 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 ça peut le faire. Yes, c'est la win, c'est bon. Niveau 10 réussi. Ah, ah, il en reste deux ici, là. C'est bon, c'est réglé. Donc, niveau 10, est-ce qu'on change de biome? Comment ça se passe? Alors, monde suivant. Ah oui, c'est bon, ben voilà. Je vais même pas m'embêter à réparer les portes. On y va, monde suivant. Et on a maintenant accès à un petit coffre. Qu'est-ce que c'est? Une loot box. Attention, une nouvelle arme, peut-être. Lance-flamme, une lance-flamme. Tada! Qu'est-ce que c'est? On met où? Drone! Un drone! Tu vas me protéger? Comment ça se... Ah, d'accord, il me suit! C'est une mitraillette! Un drone mitraillette, c'est tellement classe! Et donc, ce qui est bien, c'est que j'ai gardé mon argent de la précédente partie, donc on va pouvoir déjà débloquer 2-3 salles. Ça, ça va nous mettre plutôt bien. Hop, on débloque ça, on débloque ça. Il me reste 119. Allez, on débloque même ça. Et les amis, on a accès à un petit Uzi comme ça, là. Je peux l'avoir ou pas? Ah, vas-y, débloque cette salle. Là, voilà. Et le Uzi, je peux l'avoir? Il faut des gemmes. Oh non, il faut des gemmes. Il faut pas mal de gemmes. Bon, allez, on repart pour un combat. Ici, on a quoi? Les soins? Ah, la vitesse, la santé et tout, trop classe. Ok. Oh non, j'aurais dû recruter le soldat, surtout qu'ils vont sûrement attaquer en haut. Oh là là. Bon, allez, c'est parti. Bon, et attaque. On est toujours au fusil à pompe pour l'instant. Il y a du monde là, mais ça va. C'est le premier niveau de ce nouveau monde. Donc, normalement, il devrait pas trop être en nombre. Hop là, c'est bon, c'est réglé. Est-ce qu'il y en a en bas? Oui, bien sûr. Toujours qu'il y en a en bas. Hop là, c'est bon, c'est réglé. Donc là, j'ai pas eu beaucoup d'argent. J'aurais pas de nouvelles salles, mais c'est pas grave car on débloque un nouveau garde. Et ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on commence à enchaîner les combats pour augmenter les niveaux de plus en plus. Parce que franchement, pour l'instant, les niveaux, je les défonce. Ils vont beau être beaucoup, je les allume. En plus, avec mon drone là que j'ai eu, mon cadeau, c'est juste ouf. Je me demande. Ah, j'ai pris cher là par contre. J'ai pris cher, je peux mourir à tout moment. Faut pas que je parle trop vite, hein. Hop là, allez, on règle son compte à lui. C'est bon, plus que deux en haut. Et on répare les portes et on réenchaîne, les amis. Surtout que j'ai même pas eu assez d'argent pour débloquer une nouvelle salle. Ça, c'est malheureux, mais on peut améliorer éventuellement le garde. Oui, 50. Et la prochaine amélioration, pour l'instant, il faut regarder une pub, mais à mon avis, elle coûtera 100. Et c'est parti. C'est reparti plutôt. Ok. Je lui laisse s'occuper de ceux en haut à droite. Moi, je vais m'occuper de faire le ménage en bas. Tac, il y a plus de zombies. Oh. Par contre, il va avoir besoin d'aide là. Il va avoir besoin d'aide. Oh là 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 là. Il est tellement nul, mon garde. C'est quoi ça? Comment t'as pu les laisser rentrer comme ça? C'est juste abusé. Allez, il faut s'occuper d'eux. Ah là là. C'est bon. Et donc, j'ai assez d'argent pour débloquer une nouvelle salle qui va sûrement nous... Oh, d'accord, carrément les gardes. Oh, ça va être trop classe d'avoir des gardes de chaque côté. Trop bien. Oh oh. Par contre, en bas, il y a énormément de monde là quand même. C'est juste abusé. Oh, 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 c'est bon, ils ont même pas réussi à casser la porte. Je suis tellement puissant. Allez, on s'occupe d'eux. J'ai même pas augmenté mes dégâts encore hein, depuis qu'on est passé au deuxième monde. Hein. C'est juste abusé tellement. J'ai trop de puissance. Ok. Regardez, je vais même pas réparer les portes. Je répare même pas les portes et on repart pour un nouveau combat. J'aurais peut-être dû recruter un soldat quand même. J'ai assez d'argent, j'aurais dû faire, c'est pas grave. Faut s'occuper de lui, pourquoi il est de toutes les couleurs? C'est quoi ce délire? Oh, il explose! Oh, j'aurais dû le laisser attendre qu'il soit dans plein de zombies comme ça. On aurait pu le faire exploser avec tout le monde. Il aurait sûrement fait des dégâts à ses potes. Oh, il y en a un qui a fait des dégâts à ses potes là. Trop, trop stylé. Alors attention, attention, attention. C'est bon, c'est réglé. On va quand même réparer les portes. On va arrêter de faire des dingueries. Et on va surtout recruter un
nouveau garde. Alors, est-ce que je peux l'améliorer? Oui. 50, c'est bon. Ah, je peux l'améliorer une deuxième fois. 125, parfait. On répare ça. Et les amis, j'ai une petite idée. Pourquoi pas ne pas améliorer les gardes? Comme ça, je garde mon argent pour le prochain monde. Et comme ça, dès qu'on est au prochain monde, je débloque tout d'un coup. Là, on va faire ça. On va essayer d'aller jusqu'au niveau 20 sans dépenser de l'argent. On va faire ça. On va faire ça. Ça va être trop classe. Oh, il a explosé. Il y en a un autre qui va exploser là. Hop là, ils sont deux. C'est trop bien quand ils explosent. Oh là là, ils ont détruit tous leurs potes. En fait, c'est plus un bonus pour moi, les Rainbow. Allez, on s'occupe de ceux d'en haut. Hop là, c'est réglé. Et à faire classer. Wow, tous les gens qui arrivent. Mais c'est quoi ce délire? Oh là là, je vais peut-être perdre pour la première fois. Là, il y a tellement de monde. C'est juste abusé. Quoique, en vrai, on les allume. En vrai, on arrive à reprendre le dessus. Wow, le monde qu'il y avait pour ce niveau 18. Bon, en tout cas, c'est bon. C'est passé juste. Mais là, cette fois-ci, j'arrête de faire le malin. Je répare mes portes pour une fois. Surtout que dans deux niveaux, il y a un boss qui arrive. Bon, les amis, je prends le risque, encore une fois, de garder mon argent, ne pas le dépenser et voir ce que ça fait. J'ai 840 coins. J'aurais pu vraiment faire des belles choses avec tout ça. Mais là, on prend le risque. Hein. Hop là, est-ce que... Ah, je peux pas m'occuper de cette gauche. Il y a le mur. Allez, c'est bon, c'est bon. Go. Recul. Oh là là, ils sont trop, c'est abusé. Allez, encore un peu. Ah, je vais me faire couper. Non, je suis bloqué, les amis, je suis bloqué. Je peux passer là. Défends-moi, toi, défends-moi. Aïe. Pour la première fois, j'ai été en grave difficulté là. Oh mince, j'ai acheté ça sans faire exprès. Donc c'est parti pour le combat du boss. Pour l'instant, je le vois pas. Il y a pas de boss à l'horizon. Est-ce qu'il est en bas? Non. Est-ce qu'il est... Où est-ce qu'il peut être? Pour l'instant, je le vois pas. Est-ce qu'il va être rouge? Oui, il est rouge. Ok. Oh. Ok les amis, je crois que là, si je ne débloque pas mes salles, je risque de prendre ma première défaite. Ah ah. Le boss n'a toujours pas... S'il a été un peu touché, hein. Mon soldat s'en est pas mal occupé. Ah ouais, mais là. Ah ouais, mais là. Là, ça commence à être très très chaud. Hein. Surtout que j'ai la moitié de ma vie. S'il me fait toucher encore une fois, je suis mort. Non. Non, rentrez pas dans cette salle, c'est la dernière qui me reste. Ah là là. Ah là là, j'ai réussi. C'est un truc de fou. Wow, j'étais à ça de mourir, franchement, c'est juste abusé. Réparons-moi toutes ces portes. J'ai plus de 1000 coins, hein. J'ai toujours pas dépensé, c'est juste abusé. Hop, va-t'en toi, tac. Et vas-y, je répare même pas cette porte. Pas peur, j'ai pas peur. Ah oui, mais comme par hasard, c'est là qu'ils viennent, quoi. C'est un truc de fou, ça. Mon drone, il fait le taf, hein. En plus, le drone, il a pas peur. Oh, oh. Par contre, j'avais pas vu ça. Il y a beaucoup de monde, là, quand même. Il y a énormément de monde. Heureusement qu'il y en a qui explosent, hein. Ça m'est tellement bien. Par contre, c'est peut-être ma première défaite. Aïe. Non, ma première défaite. Bon, c'est pas grave. Hop, donc là, il faut absolument dépenser de l'argent, je pense. Est-ce que on mettrait pas ça, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un nouveau garde à mettre ici? Ah, un coffre. Ah non, il faut une pub ici pour 500. Oh, mais ça coûte trop cher, je vais perdre tout mon argent. Ah, mais je peux avoir des nouveaux gardes. Ma base est hyper grande maintenant, trop classe. Donc allez, toutes les portes sont maintenant réparées. Ça fait plaisir et on repart pour un nouveau combat. Et celui-là, j'espère ne pas le perdre cette fois-ci. Hein. C'est celui que je viens de perdre. Ok, on s'occupe, c'est là où ils sont arrivés à fond en fait. Hein, peut-être j'avais pas réparé la porte. En tout cas, il va falloir vite m'en occuper, il faut que ça explose. Ouais, c'est bon, ils ont explosé, parfait. Oh, il y a pas d'autre explosion. Non, il n'y en a pas qui explose encore, mais normalement ça devrait le faire. Hein. Je m'en suis occupé dès le début. Oh, contrairement à tout à l'heure. Ok. Là, il y en a qui explosent. Il faut s'occuper d'eux. Vite. Allez, tire sur derrière. Ah là 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 là. Tire sur ça qui explose. Voilà. Explosion en chaîne. Et ça a réglé le compte à tout le monde. Yes. Oh. Là, pour une fois, il y a tellement de portes à réparer que je vais utiliser le truc automatique. Voilà, parfait. J'ai l'impression que je peux pas accéder à la nouvelle base tant que j'ai pas fini celle-là. Donc, en fait, au final, il faut que je la développe celle-là. Hein. Alors ici, c'est quoi? Améliorer quoi? Barricade. Ah! On améliore la puissance de nos murs. Ça, c'est stylé, enfin, de nos portes. Oh, on peut même mettre des pièges pour 200. Ah oui, je vais en prendre un. On va voir ce que ça donne. Est-ce que moi, si je vais dessus, ça va? Oui, ça va, tout va bien. Oh, je pourrais utiliser quoi? C'est quoi cette arme, là? C'est un bazooka? Oh, trop bien. Je le ferai peut-être tout à l'heure, alors. Allez, hop, on s'occupe de... Venez sur le piège. Hop là. Allez, monte. Et... Boum! Oh, ça leur a fait tellement de dégâts. Par contre, je vais pas y mourir, moi. Faut qu'ils explosent. Allez. C'est bon, c'est réglé. Ok, on est bien. On est bien normalement. Normalement, c'est win. Oui, c'est gagné. Donc, allez, il est temps d'améliorer ce petit garde. Ça fait un petit moment qu'on l'avait pas amélioré. On va aller mettre l'autre au niveau 3. Et après, on est reparti pour un super combat, je suppose. C'est parti. Commencez. Alors, comment ça se passe? Ok, il y en a en haut. Normal. Est-ce qu'il y en a beaucoup en bas? Oh, ça va, il n'y a pas grand monde. Ah, ils arrivent à droite. Ok, c'est à droite qu'il y a un problème. Bon, ça va. Heureusement que je viens d'améliorer le garde quand même. Il faut le faire exploser. Allez, faites exploser le garde. Il est pas. Venez sur le piège. Voilà, c'est ça qu'on veut. Il faut faire exploser le Rainbow qui est au plein milieu là. Il ferait beaucoup de dégâts. Allez, il faut le taper. Il faut lui tirer dessus. Explose.
Oh, il m'a explosé dessus. Aïe, aïe, aïe. Non, j'ai reperdu. Ok, aucun problème. On va débloquer cette nouvelle pièce, voir ce que ça donne. Hop là. Ah, c'est pour avoir un nouveau garde. Mais la base est tellement grande, les amis. Elle est tellement stylée aussi. Alors, c'est à droite qu'ils sont arrivés en nombre. Hein. Franchement, on va aller s'occuper de ceux à droite. Hein. Là, par contre, ils sont pas beaucoup, là, bizarrement. Non, c'est en haut à gauche maintenant qu'ils sont. Oh oh. Oh, on va avoir un gros problème là. Oh non, j'ai pris des dégâts. Non, j'ai pris des dégâts. Passez par le piège, passez par le piège. Passez par le piège. Voilà, c'est ça qu'on veut. Oh mais non, mais ils sont trop. C'est abusé, il me faut plus de vie là. Il faut beaucoup. Oh oui, je suis enfermé. Je suis enfermé. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Oh, je suis mort encore. C'est pas possible. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'arme qu'ils me proposent. Ah, ils m'ont pas proposé d'arme cette fois-ci. Dommage, ça c'est pas de chance. Bon, l'astuce, c'est de les mener en bateau. Faire en sorte qu'en fait, ils ne m'enferment jamais. Donc c'est à moi de pas m'enfermer en fait. Alors attention. Le piège, c'est bon, c'est parti. Oh là, là je vais me faire enfermer là. Je vais me faire enfermer contre mon gré. Je vais me faire enfermer. Non, c'est bon. J'ai pas été enfermé. Ok, c'est bon. Normalement, on a gagné. Là, c'était beaucoup plus facile que juste avant. Hein. Hop là, on s'occupe du dernier et let's go. Bon, il est temps, je pense, de débloquer ce petit garde pour 400. On va pas améliorer de suite. Ah, quoique, non, ça coûte pas cher. On va le faire. On va le faire deux fois. Voilà, ça coûte pas très cher. On va réparer toutes les portes d'un coup et on repart pour un nouveau combat. On n'a pas accès à la nouvelle base encore parce qu'on n'a pas fini celle-là, je pense. Il faut au moins débloquer la salle à 800 là. Il y a le lance-flamme, je l'aurais bien pris, mais vas-y, c'est trop tard, c'est trop tard. Et puis je pense que ce niveau, je vais le défoncer. Par contre, il faudrait qu'il vienne sur le piège. Il y a tellement de zombies explosifs là, il pourrait vraiment tout péter là. Allez, allez, exploser. Ah, venez, venez, venez sur le piège, venez sur le piège. Non, trop tard. Le piège s'est rétracté, mais il va se réactiver. Il faut les ramener sur le piège. Il faut. Je suis bloqué, comme tout à l'heure. Je suis bloqué. Il faut que je me débloque. Il faut que je me débloque. Aidez-moi les gardes, servez à quelque chose. Aïe 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 aïe. Non, j'ai perdu. Bon, moi j'ai eu assez d'argent parce que même quand on perd, on garde l'argent, on gagne un peu d'argent, donc c'est cool. C'est quoi ça? C'est pour avoir un chien quoi dans une cage? Je sais pas, mais en tout cas, on part pour un nouveau combat. Est-ce que j'ai la possibilité d'avoir une nouvelle arme? Non, ils ne l'ont pas proposé, donc on va faire sans. On les vite s'occuper de ceux en haut à gauche. Là, ils sont beaucoup trop, beaucoup trop. Faut que ça explose. Voilà. Il faut venir sur le piège, les amis. Venez, venez, venez. J'ai un petit cadeau qui vous attend là. Hop là et boum, des piques dans les fesses. J'ai un problème là, il y a beaucoup trop de monde quand même. Il faut faire exploser ça, tac, lui il faut s'occuper. Et c'est bon, je peux passer, parfait. Ok, ok, il faut s'occuper des 4 là. Il faut s'occuper des 4, vite, vite, vite. Non, je me suis fait à moi. Oh, le piège s'est réactivé, malheureusement pas sur assez de zombies. Il faut qu'il revienne. Allez, le piège, maintenant. Oui, le piège a fait tellement de dégâts et c'est la win, les amis. Let's go. Heureusement qu'il est là, le piège. Je sais pas si on peut l'améliorer. Ça pourrait être trop cool. Niveau 24 réussi. Donc allez, on lance un nouveau combat et on va tester le bazooka, les amis. Donc allez, on y va au bazooka. Et là, à mon avis, ils vont pas durer longtemps, les noobs. Hein. Oh ouais, en fait, je fais des dégâts à plein de monde vu qu'il y a une explosion. Ah ouais, mais c'est abusé, hein. C'est tellement puissant. Et si en plus, je les ramène sur le piège, ils vont faire très peu long feu. Je sais pas, je dis pas, mais vous avez compris. Allez, 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 allez. Allez, allez. Bon, j'ai du mal quand même, hein. En fait, ça fait pas beaucoup de dégâts finalement. Ça fait juste beaucoup de dégâts en zone. C'est l'avantage. Je suis mort. Non, je suis pas mort. Si, je suis mort. J'aurais dû passer à gauche, j'aurais survécu. Ouais, en fait, c'est dommage parce que ça fait beaucoup de dégâts en zone, mais pas beaucoup de dégâts sur un seul zombie. Donc, en fait, quand ils sont esselés, malheureusement, on peut pas les avoir. Oh, il va y avoir un nouveau piège là. Parfait. Est-ce qu'il reste des nouvelles salles dans cette base? On a terminé cette base. Je crois que nous avons terminé officiellement cette base. Et. Est-ce qu'on améliorerait pas quelque chose? Plus de dégâts à un moment, il faut que je fasse plus de dégâts, c'est plus possible, je fais pas mal. Allez, on repart pour le combat, est-ce que j'ai gardé mon bazooka? Ah, il faut que je regarde une pub, non, je regarde pas pub. Allez, on repart au fusil à pompe. Hop, on a pas besoin de bazooka, de toute façon, ça m'a pas finalement servi comme il faut. Donc là, le piège, il va s'occuper d'eux, parfait. Le piège là-bas, il s'est occupé des autres. Surtout, ne pas se faire enfermer, ne pas se faire enfermer. Venez là, venez là, venez là, venez là. Et moi, je monte et je m'en vais. Oh, il y en a qu'on suivi, oh, il faut que je traverse. Waouh, c'est bon, je m'en suis sorti. Waouh. Franchement, un boost de vie me ferait pas de mal, hein, parce que là, je commence à prendre trop cher. Hein. Hop là, allez, allez, encore un peu. C'est bon, c'est la win, normalement. Oui, c'est bon. Aucun problème. Bon, j'ai 79 gemmes, donc normalement, je peux débloquer le petit fusil. On va voir si c'est plus utile que le petit fusil à pompe que j'avais juste avant. Oh, j'aurais dû augmenter mes dégâts. Alors, c'est pas mal ou pas? C'est pas... Non, c'est... Je sais pas si c'est ouf, hein. J'ai pas l'impression de faire beaucoup de dégâts avec ce fusil. Il va falloir que je regarde dans mon inventaire, voir si ça vaut vraiment le coup. Alors attendez, il faut tous les donner sur le piège là. Ouais, de toute façon, je suis mort, je crois. Là, je pense que c'est une très mauvaise partie. Ah oui, mais là, ah là là. Oh là là, ils sont trop ouf. Donc le Uzi, il fait combien de dégâts? Il fait 8 et 19 de cadence. Ok, c'est ouf, mais par contre, il faut plus de dégâts. Voilà, ici, on se met bien.
J'ai pas... Oh, je suis au niveau max des dégâts. Au niveau max de la cadence de tir. Bon, voilà, si je gagne pas, je ne comprends pas. C'est reparti pour un nouveau round. Oh oui, on fait tellement de dégâts maintenant. Là, ça va exploser en bas. Oh là là, cet enchaînement d'explosion. Tellement bien. Envoyez-moi plus de zombies Rainbow. C'est tellement stylé de pouvoir les tuer. Hop là, de les faire exploser comme ça. Allez, venez, 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 venez. Venez, venez. Venez, venez sur mon piège. Hop là, vous n'êtes pas assez intelligent pour l'éviter. Désolé. Yes, donc normalement c'est la win. Alors que juste avant je me suis fait allumer, juste abuser, et là c'est bon, on les a terminés. Victoire niveau 28, et dans deux niveaux on a le nouveau boss. Waouh, regardez ce carnage pour ce niveau 29. Oh, il y avait tellement d'argent seul, c'est juste abusé. Et là les amis, ça y est, on est face au boss. Alors on répare toutes les portes. On répare toutes les portes. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce que je peux réaméliorer tout ça? Je ne peux pas. Donc c'est parti, on s'attaque au boss. Au boss rouge sûrement qui va arriver. Il faut trouver où est-ce qu'il arrive. En tout cas, il y a du monde en haut à gauche. Donc on va aller vite s'occuper d'eux. Mais à mon avis, il y a encore plus de monde en bas. Il va falloir que je descende très rapidement. Est-ce qu'ils ont réussi à rentrer ou pas? Oui! Le boss est là! C'est trop bien, c'est le boss qui va se prendre le piège. C'est le boss qui va se prendre le piège. Viens là! Viens là, boss! Oh, il a enlevé tellement de dégâts! Allez! C'est bon! C'est le piège qui a réglé son compte! Oh là 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 là! Allez, on fait exploser l'autre. On fait exploser. Parfait. Mais ce niveau de boss a été plutôt simple, les amis. Regardez, ah non, c'est qu'il y a deux boss en fait. Ah oui, d'accord. Bon, c'est pas grave, il est tout seul. On a plus qu'à le terminer. C'est bon, c'est Louis, niveau 30. Non, il en reste un ou pas? Ah oui, il en reste un. Ouais, c'est bon. Réglé, yes. On va pouvoir accéder à la nouvelle base normalement. Hop, monde suivant. Et en plus, j'ai gardé mon argent. Oh, c'est le monde de glace. Trop stylé. Alors, ça donne quoi là? Ok, on a ça. On va sûrement avoir des gardes. On a une nouvelle arme. Ok. Ça a l'air d'être la même chose que la précédente, peut-être un petit peu plus gros. Donc les amis, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu, cliquez sur une autre vidéo qui s'affiche sur votre écran. Moi je vous dis à la prochaine, salut à tous, c'était Redkill et bye tout le monde.